Il y a quelques années, cette starlette de la télé-réalité a eu des rapports sexuels avec deux hommes qui l'ont filmée. Sur cette vidéo qui a circulé un temps sur Internet, on la voit leur dire non, leur demander plusieurs fois d'arrêter. Elle va porter plainte pour viol, mais la justice va considérer qu'il y avait consentement et condamner Gina-Lisa Loefink à 24 000 euros d'amende pour accusation mensongère. Une victime présumée qui devient une coupable. Pour son avocat, l'affaire est exemplaire. Il faut changer au plus vite le droit pénal sur les violences sexuelles. Une grande discussion politique est désormais menée, marquée fortement par ce dossier. Nous saluons le fait que ça bouge au niveau politique, et cela, on le doit à Gina-Lisa. Tu n'es pas seul, scandale et manifestant devant le tribunal. Beaucoup en Allemagne ont pris conscience avec ce dossier que la loi devait changer. Mais avant que ce ne soit le cas, Gina-Lisa espère déjà gagner son procès en appel et enfin être considérée comme une victime. Alors Amaury, que compte faire la classe politique quand on voit tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce que la loi va être changée? Oui Thierry, la loi va être changée car un projet de loi doit être examiné cette semaine, ce jeudi, au Bundestag. L'objectif, c'est de mieux protéger les femmes, comme l'a dit le ministre de la Justice. L'objectif, c'est surtout d'inclure dans la loi tout un tas de situations qui, jusqu'ici, échappaient aux sanctions. Les relations sexuelles obtenues sous la menace de sanctions professionnelles, par exemple, ça sera désormais sanctionné par la loi. La règle, ce sera le consentement explicite. Non, c'est non.